Coucou les filles, c'est Marie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc devinez qu'est-ce que c'est? Devinez, un haul action. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc j'ai pas trouvé grand chose en niveau beauté. Mon action c'est de pire en pire, il y a de moins en moins de trucs. C'est affolant même parce que je vois plein de trucs défiler dans les halls. Et ben pas moyen de les trouver dans mon action. En tout cas, ben j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on y va de suite. Alors, bon ben j'en ai pas eu pour une blinde non plus. Mais le ticket est relativement assez grand. Alors, donc j'ai pris pour cet été barbecue, etc. Une petite carafe, j'ai trouvé ça original en fait, un pichet en fait, ils appellent ça un pichet de 2,3 litres, où en fait où il y a, je vous le montre déjà, comme ceci, à l'intérieur vous voyez là il y a un tube, en fait ce tube là faut le remplir d'eau et le mettre au congélateur, donc par contre combien de temps c'est pas noté. Ouais, le mettre au congélateur et après bon bah on remet dans le pichet et on verse donc le jus, l'eau pour que ça reste frais. J'ai trouvé ça original en fait. Je l'ai pas vu dans les halls par contre, donc je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Donc voilà, et j'ai payé donc 2,49€. Il est quand même bien bien grand, donc je trouve que ça fera super bien l'affaire pour les barbecues et conserver l'eau ou le jus au frais. Voilà. Il y avait même, ça j'ai trouvé ça original aussi, j'avais envie d'en prendre une, mais je suis passée à côté, j'ai oublié. Un genre de, comment, une bombe. Forme un peu ananas, quelque chose comme ça, et il y avait un petit robinet en fait sur le bas, donc je trouvais ça original mais j'ai pas vu le prix, donc si jamais quelqu'un l'a acheté ou autre, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus si ça vaut vraiment le coup ou pas. Ensuite, donc là, sac à provision printemps, bon bah ça, sac à provision printemps, 59 centimes, c'est le sac traditionnel hein, le sac cabas qu'on prend pour tout mettre dedans, voilà. On va pas passer 3 heures là-dessus. Ensuite, je vais garder le papier à côté de moi. Donc j'ai pris 2 rouleaux de papier cadeau donc pour finaliser mon swap qui est en cours avec Anaïs. Donc au passage ma belle, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc un avec des flamants roses. J'adore ce genre de papier cadeau. Donc un comme ceci, donc le rouleau m'a coûté 55 centimes, donc 55 centimes chacun. Donc deux rouleaux, donc un avec des flamants roses et l'autre un peu plus printanier avec des oiseaux, des petites fleurs, etc. J'ai trouvé super joli aussi et c'est vrai que le jaune, j'étais pas très fan avant. Et puis bon bah là maintenant je me découvre un amour pour le jaune. Même dans certaines tenues j'aime bien mettre maintenant des couleurs un peu jaune moutarde, etc. Je trouve que ça fait ressortir en fait le teint ou même les maquillages d'été. J'adore ça. Ça fait super joli. Ensuite j'ai repris donc mes boissons que j'adore. Les Rocco. J'avais testé donc j'ai la bouteille en dessous. J'ai testé ceux-là mais je les aime moins. J'en parlerai dans mes produits terminés la semaine prochaine. Et là j'en ai pris deux dans le coup. Deux comme ceci. Donc c'est les boissons Rocco Black. C'est un genre de multifruit mais il a fort goût de cerise je trouve. Et franchement c'est une tuerie. J'ai pensé tester ça peut-être pas cet été parce que enfin j'en rachèterai d'ici là. Mais j'ai pensé tester ça ce week-end si jamais par bonheur il fait beau. Tester avec le pichet que j'ai pris. Donc là il y a combien? Il y a 400 ml. Donc j'ai 800 ml de boisson. Ça remplira même pas le pichet mais bon. Voilà. Donc ça est 84 centimes la bouteille si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc, et celle-là je vous la conseille fortement parce qu'elle est super 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 bonne. Surtout pour ceux qui aiment le goût de cerise. Je le recommande à 100%. Ensuite j'ai pris donc
ça je pouvais pas bien sûr passer à côté sans en prendre, j'en ai besoin tous les jours. Donc c'est des rouleaux de pour enlever en fait les poils sur les vêtements. Mais là je trouvais original, c'est avec un manche en bambou. Donc au moins ça se cassera moins facilement que les manches en plastique, je pense. Désolée, je suis un petit peu malade. Donc il y en a deux avec 50 papiers adhésifs. Donc, et puis le rouleau, je trouvais qu'il était pas mal non plus. Donc 1,99€ pour ces petites choses là. Ensuite, Donc ça, j'ai trouvé ça, j'avais jamais vu. J'ai pris ça pour ma puce au goûter. Des mini donuts comme ceci. Donc 6 x 2. En fait, il y a 6 paquets avec 2 donuts à l'intérieur. À la crème chocolat. Donc ça se présente comme ceci. Et puis la boîte, au moins, c'est bien en boîte comme ça, j'aime bien. Peut-être que je goûterai pour en dire des nouvelles, mais c'est plus pour le goûter de ma puce. Et ça, ça m'a coûté 1,25€. Donc, franchement, ça va, c'est pas non plus ultra cher. Hein. Ensuite, Morbidi, bon, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai jamais vu dans les hauls non plus. Et c'est la première fois que je les achète. Donc c'est des genres de madeleine, ouais c'est chocolat fourré au chocolat, en fait c'est des petits trucs fourrés au chocolat de la marque Morbidi, et ça vient d'Italie, donc on verra bien ce que ça donne. Il y en a combien, il y en a 5 à l'intérieur, donc, et j'ai payé 98 centimes le paquet, donc... pour tester, ça fera largement l'affaire. J'en parlerai dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai pris, donc, moi qui adore flamant rose, les trucs tropicales en ce moment, à l'approche de l'été, c'est toujours un peu comme ça. J'ai pris donc 2 chiffons microfibres. Donc un avec des petits flamants roses. Je l'ai trouvé trop chou en fait, il est trop bello. J'adore. Donc au niveau des dimensions, est-ce qu'ils le mettent 40 par 40 chiffon microfibre. Donc bon, comme vous voyez, il est... La taille, ça va. Hein. Franchement, celui-là, je l'adore. Et j'en ai pris un autre, comme ceci, donc avec des fleurs. Je trouve ça super joli. Et chacun m'a coûté donc 55 centimes. Ensuite, j'ai pris des chaussettes de sport pour mon homme. Par contre, Marie, t'as pris la bonne taille. Ouais, 39-42, donc ça va. Ouf! Donc, c'est un petit cadeau pour sa fête des pères. C'est un début parce que je compte faire une création, en fait, pour la fête des pères. Donc, c'est un set de 3 paires de chaussettes de sport. La marque Pureco. Donc, comme ceci. Et les chaussettes donc m'ont coûté les 3 paires 1,99€. Donc ça vaut vraiment le coup. Après, je sais pas s'il va aimer la matière. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Mais bon, ça reste des chaussettes. Hein. Ensuite, alors, chaussettes, fleurs d'envers. Ah oui, ok. Alors, j'ai pris... Donc ça, c'est plus pour mes photos Instagram, Facebook, pour mon blog... Des petites décorations comme ceci. Donc il y en a un, c'est un orchidée dans un pot de verre et des petites perles blanches. Comme ceci. Et l'autre, c'est une petite rose. J'hésitais entre la rose et l'orchidée rose. Mais du coup, j'ai pris la rose pour changer un peu. Donc ça se présente comme ceci. Et l'unité m'a coûté 92 centimes. Au passage, merci pour l'info. Faites ma petite édite. Enfin, j'ai vu ça sur tes photos. Et j'ai trouvé ça super joli. Du coup, je me suis dit, oh, Marie, on va tricher un petit peu sur édite. Mais 92 centimes, et franchement, ça fait un super design pour certaines photos. Ensuite, post-it feuille autocollant, set d'hiver. En fait, j'ai trouvé pas mal de choses en papeterie. Donc j'espère... Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc j'ai pris... c'est des sticky notes qui se présentent comme ceci. Donc là, avec un lama.
Je trouvais ça super mignon. Et à l'intérieur, en fait, on a plein de post-it et des petits autocollants. Donc, moi qui adore les lamas... Excusez-moi si j'arrête pas de tousser. Hein. Moi qui adore les lamas, bon, bah, ça, j'ai trouvé ça super joli. Et puis, bon... voilà, c'est chou, quoi. On peut pas passer à côté. Et ça m'a coûté 79 centimes. Et j'en ai pris, du coup, un deuxième. Donc, il y avait d'autres modèles, mais j'en ai pris deux. Un sticky note, donc, comme ceci. Et à l'intérieur, c'est plus glamour, des petits cœurs, tout ça, des rouges à lèvres, etc. Des petites pastilles pour photos. Ça, c'est super pour les... mes notes pour mes vidéos YouTube, j'adore en fait toutes ces petites choses-là. Donc je trouve ça original. Et pareil, 79 centimes. Donc pourquoi s'en priver ? Ensuite, DIY planchette à pince. Alors, donc ça je l'ai pris pareil pour mes photos sur Instagram et pour le blog. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens du blog et de mon Instagram. Donc ça se présente comme ceci. Je vous l'approche un petit peu. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Il faut peindre les bords en blanc. Donc, enfin, à l'intérieur il y a plusieurs petits trucs en fait, comme ceci. C'est pour faire du DIY. J'ai trouvé ça super original. Du coup ben, j'en ai pris un. Moi j'adore avoir des petits trucs comme ça à la maison. Et ça m'a coûté ça 1,95€. Alors quand j'ai vu le prix, j'ai dit bah je fonce direct cash, un porte-presse papier. Donc voilà. Enfin, je l'ai pas vu dans les halls non plus, mais au cas où ça intéresse quelqu'un, c'est en ce moment chez Action. Ensuite, j'ai pris une boîte de pastilles à la menthe. J'ai trouvé le original en fait. D'habitude, c'est toujours des boîtes carré de cette grandeur là, enfin rectangulaire, j'achète ça, mais là je vais vous changer. Donc j'ai pris la petite boîte qui s'ouvre, en fait elle est ronde tout simplement, et elle m'a coûté 95 centimes et il y a 40 pastilles à l'intérieur. Ensuite, ça je remercie la chaîne de Ce Rêve Bleu, qui est une chaîne alors formidable aussi au passage. Pour les hauls action, tout genre de hauls, etc. Un très beau décor, elle est très gentille. Enfin, franchement, c'est une chaîne que j'adore énormément. Donc, c'est des masques après soleil qui se présentent comme ceci, donc After Sun. J'ai pas vu les garnis dans mon action, donc j'en ai pris deux comme ça. Donc, que je testerai après avoir été au soleil, bien évidemment. Donc c'est un masque à laisser agir 15 à 20 minutes et elle a coûté, si je me trompe pas, c'est 59 centimes l'unité. Donc pour tester, ça c'est vraiment impeccable. En plus j'adore tout ce qui est masque de chez Action. Ensuite, je me suis pris, bon j'ai cherché les bracelets de cheville que Edith, ma chérie au passage, c'est vrai qu'ils sont magnifiques les tiens. J'en ai pas trouvé, il y en avait pas du tout. Du coup, ben, j'ai craqué tout simplement pour une petite planche de boucle d'oreille comme ceci. Donc la marque Trend, je trouve que c'est original, elles sont pas mal non plus. Elles m'ont coûté, donc, enfin elles m'ont coûté 1,99€. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paires de boucles d'oreilles. Donc... puis pour l'été, j'aime bien les petits trucs discrets, tout ça. Donc, bon, aujourd'hui, c'est un peu gros, mais c'est celles qui me sont tombées sous la main quand je suis arrivée dans la salle de bain. Ensuite, j'ai pris donc un set de... un organisateur plutôt de bureau, si je me trompe pas. Ah non, c'est pas ça. Ouais, donc c'est ça. Donc comme je vous dis, j'adore les couleurs un peu tropicales comme ça. Du coup, j'ai pris un set de bureau comme ceci. Donc avec un genre de perroquet, si je ne me trompe pas. Donc avec un petit bloc-notes, des crayons de bois, un stylo, un taille-crayon et une gomme. Donc comme ceci.
Et il m'a coûté 1,49€. Il y avait d'autres modèles, mais c'était mon préféré. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes achats. Donc, j'ai dit 1,49€. Hein. Ensuite, j'ai trouvé... Donc, ça, j'en ai pris, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Un spray pour quand on se fait piquer par les insectes cet été. Donc, ça, ça va me servir. Je le mets dans le sac à main. Par contre, je sais pas si on peut l'utiliser sur les enfants. Ouais, non, bon, je l'utiliserai que sur moi ou mon mari. Donc, c'est un spray pour les insectes. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est quand on se fait piquer, on met ça dessus et ça apaise en fait la douleur. Et ça m'a coûté 99 centimes. Ensuite... j'ai pris un organiseur de bureau, en fait c'est plus pour mettre sur ma table de salon, comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore déballé parce que je le montrerai après. Mais il m'a l'air vraiment pas mal. Donc il y a 7 pièces à l'intérieur. Non, qu'est-ce que... 5 pièces. Il y a 5 pièces à l'intérieur et il m'a coûté 2,99€. Ensuite, non désolé, c'est le téléphone à côté qui sonne. Ah oui. Alors ça, j'ai trouvé ça super joli. Sur le coup, je suis passée à côté, je vois des carnets, j'en ai plein. Et je suis passée à côté de ça. Donc il était à 2,49€. En fait, je l'ai pris parce que quand je l'ai ouvert, j'ai dit waouh, c'est pas mal ça en fait. C'est un genre de bloc organiseur comme ceci. Donc là on a une petite enveloppe pour mettre des petits papiers ou autre. Il y a ce qu'il y a à faire la journée, des petits post-it qui... il y en a c'est marqué reminder, forget it, des motifs un peu floraux comme ça et le petit bloc-notes, enfin le gros bloc-notes à l'intérieur. Donc pour le prix 2,49€, je me suis dit je vais pas me priver. En plus il est super joli, il y avait un autre modèle mais j'ai préféré celui là ensuite. J'ai repris, donc ça j'en parlerai aussi dans les produits terminés la semaine prochaine, j'ai repris la sauce la mayonnaise belge. Alors ça franchement c'est une tuerie de dingue. En plus, elle coûte vraiment pas cher, elle coûte 1,39€. Moi, elle a fait Gallup, donc c'est pour dire qu'elle est bonne. C'est pour dire qu'elle est bonne. Enfin, moi, j'ai apprécié. Donc, monsieur et la choupinette aussi ont bien aimé. Ensuite, j'ai pris, donc, comme Paula dirait, bon, c'est pas du papier cucu. C'est un lot de sopalin, donc la marque Pure Soft. Donc ça, il m'a coûté 1,06€. Bon bah c'est du sopalin quoi, hein. On va pas rester pas non plus là-dessus. Donc il est plutôt pas mal ce sopalin là. Mais après si vous voulez du sopalin genre qualité ok, c'est pas ça non plus. Hein. Je préfère vous prévenir, ils disent qu'il y a 4 épaisseurs mais... Alors, Clear Stamp Everyday. Ah bon, ça doit être ça. Ouais. Donc j'ai repris donc pour mon bullet ou même des courriers, des colis ou autre, des petits stickers. Donc là avec hérisson, un petit renne. Non, c'est pas un renne. Enfin bref, renard, lapin, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, j'ai pris 79 centimes. Et j'ai pris celle-ci avec les papillons pour fabriquer quelque chose pour la fête des pères de mon chéri, vu qu'il adore les papillons. C'est pas une fille, mais il adore les papillons. D'ailleurs, ah oui, je l'ai pas... Il est là près de moi, mais il a fabriqué quelque chose en métal et franchement, il est très doué de ses mains. Au passage, je vais vous montrer juste deux, trois petites choses qu'il a fabriquées et franchement, il a du talent. Il m'a fabriqué donc pour ma fête des mamans cette jolie petite rose avec un petit papillon. Donc comme je vous dis, il adore les papillons. Donc c'est tout fait main avec des feuilles de métal tout simplement. Donc je trouve ça super joli. C'est une petite aparté mais je tenais à le partager quand même.
Et il a fabriqué donc hier un petit papillon sur pied, mais il est sur le meuble et je vais le laisser là parce que je vous mettrai peut-être des photos sur Instagram. D'ailleurs, ses créations, j'en mets parfois sur Insta. Donc, si vous voulez en savoir plus, pas de problème. Alors, des œillets. Alors, ouais, ça, je les ai pris ben, pour mon chéri, pour faire certaines de ses créations ou même pour les classeurs ou autres. Donc, des petits œillets. Donc, ça m'a... il y en a 960 et ça m'a coûté 49 centimes. Donc, pour le prix, franchement, pareil, pourquoi s'en priver? Ensuite, ouais, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression qu'elle a oublié de me compter. J'ai pris aussi des petits pochoirs comme ceci. Donc, à l'intérieur, il y a tout ça. Donc c'est pour du DIY ou même pour mon homme pour faire ses créations, faire ses peintures sur ses créations, c'est toujours intéressant. Donc j'ai pris ça et il y a pas, j'ai pas le prix. Je sais pas, je crois qu'elle me l'a pas compté ou que je l'ai eu gratuit peut-être. Je sais pas, je le vois pas sur le ticket de caisse. Donc il était dans les 1 euro et des brouettes. Ensuite, j'ai pris un cadre donc photo pour faire pour la fête des papas. Donc c'est un cadre en fait à fabriquer soi-même, donc un DIY photo frame. Vu que j'ai eu des petites photos de par l'application Pixpax, je me suis dit bon bah tiens, autant on va tester ça puis on verra ce que ça donne. Donc pour le cadeau de la fête des papas, donc 2,99€. Ce joli petit cadre, donc il y a du washing tape et des feuilles pour faire donc la décoration du cadre, tout simplement. Je trouve ça vraiment original et pour faire un cadeau pour la fête des papas, pour mettre des photos de bébé, de maman, de papa, je trouve ça beau. Enfin, c'est joli. Et donc pour terminer, j'ai pris un organiseur de siège de voiture. Donc ça, c'est pour ma puce, pour mettre ses affaires. Quand on part en déplacement, donc avec mamie, parce que maman n'a pas encore de voiture. Donc je lui ai pris cet organiseur-là, et dans mes hauls précédents, j'avais pris les pare-soleil pour coller aux vitres de la voiture de la même gamme. J'aurais bien aimé trouver Pat Patrouille, parce qu'elle adore Pat Patrouille. Elle et les chiens, c'est un amour inconditionnel. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Et ça m'a coûté donc 2,18€. Donc ça se présente comme en haut en fait. Donc voilà, à installer dans la voiture de belle-maman. Voilà, donc ce haul est terminé, les filles. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Au passage, je voulais faire une petite dédicace à quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai eu le bonheur, la chance de discuter il y a quelques jours, tard le soir, c'est vrai. Mais c'est une personne que j'apprécie énormément. Elle a sa chaîne qui s'appelle Paula Latina. Donc, c'est une femme mais fabuleuse, très gentille, très à l'écoute de ses, comme on dit, de ses followers, de toutes les personnes qui sont sur YouTube. Elle fait, elle a un charisme, une joie de vivre dans ses vidéos. Moi, si vous voulez, je vous la recommande fortement. Elle fait plein de choses. Elle a des trucs sur la cuisine, j'ai vu ça date un petit peu, mais c'est très intéressant. Elle a un site web, une page Facebook, elle fait beaucoup tout ce qui est haul action. D'ailleurs, c'est ma référence pour les hauls, je lui ai dit la dernière fois. Au passage, en fait, je voulais tout simplement la remercier parce que très peu de youtubeuses à qui on laisse des commentaires. Parce qu'elles ont 1000 ou 4000 ou 5000 abonnés, ne répondent jamais. Or, cette femme, Paula Latina, c'est vraiment une personne en or. Elle est très proche de sa communauté. Et franchement, je la remercie pour ce qu'elle m'a proposé. Je la remercie de toutes les réponses qu'elle m'a fournies depuis le début que je la suis. En tout cas, moi, je vous recommande sa chaîne à 3000%. Je lui ferai une vidéo... une petite vidéo dédicace incessamment sous peu. Donc si vous voyez une vidéo dédicacée à cette jeune femme qui est fabuleuse, je vous inviterai à la regarder. Je mettrai sa chaîne en barre d'informations si toutefois j'arrive.
Mais le nom n'est pas compliqué, c'est Paula, P-A-U-L-A, Latina, L-A-T-I-N-A. Donc il n'y a rien de compliqué et franchement sa chaîne c'est le bonheur, le top du top. Elle est régulière dans ses vidéos, c'est ce que j'adore. Les haul actions, elle détaille tout, elle montre super bien, elle dégage de la joie tout simplement. Donc je vous invite fortement à aller sur sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un de super génial et qui est très à l'écoute de sa communauté. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Au passage, ma chérie Paula, je te fais de très très gros bisous aussi. Les filles, ma Soso, ma Charlène, ma Edith, Laura, et j'en passe, Amélie, etc. Mes petites chéries aussi, je vous fais de très 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 gros bisous. Je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur mon blog, sur mon Facebook, sur Insta, sur Snap, sur tous mes réseaux. Je vous remercie énormément parce que grâce à vous, ma chaîne continue de vivre, tout simplement. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous.